Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de l'offensive de Kherson, principalement. Mais nous allons traiter de cette offensive à travers l'affrontement entre journalistes de terrain et idéologues de plateau. Idéologues de plateau. C'est insupportable, mais c'était intéressant à écouter et à voir. Mais d'abord, nous partons à Moscou. Reconstitution historique sur la place rouge à Moscou, soldats en tenue d'époque, exposition de matériel militaire soviétique. La Russie a marqué ce samedi le 81e anniversaire du défilé historique de 1941, lorsque les soldats de l'armée rouge avaient paradé devant le Kremlin avant de rejoindre la ligne de front pour combattre les troupes de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors aux Pays-Bas se déroulent des exercices regroupant des unités parachutistes de divers pays. La France n'en fait pas partie. L'exercice militaire international à grande échelle Falcon Autumn a démarré. L'objectif de cet entraînement intensif qui se déroule dans différentes régions néerlandaises, préparer les armées de divers pays à des opérations aéroportées de grande envergure. Plus de 1000 soldats et 37 hélicoptères participent à cet exercice et coordonner n'est pas toujours simple. Cet exercice qui se déroulera jusqu'au 18 novembre est chapeauté par la brigade aéromobile néerlandaise. Cette unité, l'une des plus entraînées des forces de défense du pays, est rejointe pour l'occasion par des unités allemandes, polonaises et américaines. Le Falcon Autumn se déroule tous les deux ans. D'un côté, Régis Sommier, le créateur donc d'Omerta, et de l'autre, oui, vraiment un idéologue de plateau. C'est sur Sud Radio, c'est très très intéressant. Écoutez bien. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Colosimo et Régis Le Sommier, éditeur, historien et théologien, spécialiste du monde orthodoxe. Jean-François Colosimo est l'auteur de La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Un livre d'histoire puissant et érudit dans lequel il retrace la genèse du conflit entre la Russie et l'Ukraine, un conflit qui prend, selon lui, sa source dans un lointain affrontement civilisationnel et religieux. Ancien directeur adjoint du magazine Paris Match, Régis Le Sommier, le grand reporter, et s'est rendu plusieurs fois en Ukraine pour couvrir le conflit. Le 16 novembre prochain, cet habitué des théâtres de guerre lancera Omerta, un nouveau média dont l'ambition sera de redonner ses lettres de noblesse au journalisme de terrain. Et sur le terrain de la guerre en Ukraine, justement, que se passe-t-il? Alors que l'armée russe semble sur le point d'évacuer Kherson, la Russie peut-elle perdre la guerre? Est-il possible de décrypter ce conflit sans prendre parti? Régis Le Sommier, Jean-François Colosimo, bonjour. Bonjour. Bonjour Régis Le Sommier, on va commencer par vous. Vous commencez, place au terrain justement. Que se passe-t-il à Kherson? Kherson, c'est l'une des dernières villes majeures détenues par la Russie, l'une des clés de la péninsule de Crimée et de la mer d'Azov. Et tout indique que les Russes sont en train d'évacuer cette ville. Est-ce le cas? Et qu'est-ce que cela signifie selon vous? Alors, vous parliez du terrain, justement. Moi, je vais vous relater de ce que j'ai vu à Kherson, puisque il y a environ à la mi-septembre, je me suis rendu dans cette ville. J'y ai passé 2 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à l'époque, hein, on était en pleine contre-offensive ukrainienne. Hein, on commençait à sentir, enfin, le côté russe souffrait de cette contre-offensive, notamment de l'utilisation par les Ukrainiens de façon de plus en plus efficace des missiles HIMARS fournis par les Américains et qui ont fait les ravages, puisqu'ils ont en partie empêché l'approvisionnement de la ville de Kherson en détruisant, ou en tout cas en abîmant, en rendant inutilisable le pont Antonovski, qui était en fait la véritable artère qui maintenait Kherson à la rive est du Dniepr. Et donc les Russes étaient déjà à l'époque obligés d'utiliser un système de barge. L'armée russe avait le génie militaire russe
avait mis ses barges à disposition pour pouvoir faire transiter des camions leur permettre de traverser le Dniepr. Donc si vous voulez, la ville de Kherson souffrait énormément parce qu'on a, moi ce que j'ai constaté, de problèmes d'alimentation, il y avait plus d'eau dans les quartiers, au niveau des marchés c'est pareil, un marché parallèle s'était développé parce que l'approvisionnement n'arrivait plus, donc il y avait de la contrebande qui existait, les Russes laissaient cette contrebande se développer parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'approvisionner cette ville. Et en tout état de cause, ce que j'ai déjà constaté à l'époque, quand la nuit notamment, c'est que la ville était déjà quasiment déserte. Sur les 200 000 habitants qu'il y avait à Kherson à l'origine, environ 60% de la population avait déjà quitté la ville. Alors 60%, c'était, on peut imaginer, les plus pro-ukrainiens, hein, ceux qui ont refusé ce diktat russe. Et donc, il restait essentiellement des vieillards. Nous, on les voyait justement, on était dans un hôtel, une forme d'hôtel de fortune, où il y avait un point de ravitaillement d'eau et les petits vieux venaient tous les matins avec leurs bonbonnes la remplir d'eau parce qu'il n'y avait pas d'eau potable dans la ville. Donc voilà, pour vous dire les conditions, alors qu'on peut imaginer que l'offensive ukrainienne s'est rapprochée encore de Kherson, eh bien, comme le siège se prépare, à mon avis, je ne prétends pas détenir la vérité, ni penser, ni savoir ce que l'état-major russe pense, mais le problème de conserver une population dans cette ville est un handicap pour un combat qui promet d'être... Les Russes se préparent à un siège ou tout simplement ils actent leur défaite? Alors, je suis monté sur le front de Nikolaïev, c'est-à-dire je suis allé dans l'oblast de Nikolaïev, une ville qui s'appelle Snigorivna, qui est au nord, qui est environ à peu près à 50 km de cette ville où se trouve l'état-major ukrainien et d'où est pilotée cette contre-offensive ukrainienne. Eh bien, dans ces endroits-là, c'est clair que les Russes, quand on traversait cette campagne pour aller vers le nord, on a vu des kilomètres de tranchées, des points forts, des carrefours fortifiés. Donc, clairement, les Russes, à mon sens, ne sont pas prêts d'évacuer cette ville comme on a pu l'entendre. Il y avait au moins 4 ou 5 lignes de défense prépositionnées. Il faut savoir aussi que d'un point de vue de l'effectif militaire, vous savez, on parle souvent des conscrits qu'on envoie au casse-pipe et des gens sans formation. Au nord de Kherson, il y a une unité de parachutistes extrêmement redoutable les Ukrainiens ont engagé eux aussi des marines ukrainiens qui sont eux aussi très redoutables. Donc de part et d'autre, il y a des unités d'élite qui sont là et c'est pas la bleusaille qu'on envoie se faire sacrifier. Ça a été déjà un combat pour Kherson pour grignoter ces parties extrêmement coûteux en vie humaine pour les Ukrainiens et pour les Russes. Donc c'est clair que les Russes, en plus Vladimir Poutine ayant décidé de prendre l'oblast de Kherson et de le faire rentrer dans la Fédération de Russie, on peut imaginer que les Russes vont s'accrocher avec une position de repli possible à l'est du Dniepr, puisqu'on sait que les fleuves, s'ils décident d'abandonner Kherson, ils se replieront justement sur l'Est, mais ils n'ont absolument pas l'intention, de ce que j'ai pu ressentir pendant les 3 semaines passées dans ce camp, d'abandonner le moindre pouce de territoire. Ce sommier nous dit qu'à Kherson, ils ne sont pas du tout en train d'évacuer et qu'ils se préparent à un siège, mais est-ce qu'on les a pas, on n'a pas surestimé l'armée russe, et est-ce qu'il est possible aujourd'hui que les Ukrainiens gagnent cette guerre? Alors, d'une part, on a complètement surestimé l'armée russe, ça, c'est clair, c'est évident, et tout simplement parce que on avait eu un effet trompe-l'œil sur la guerre en Syrie, qui en fait avait été une guerre très limitée, une guerre de bombardement, particulièrement d'ailleurs des populations civiles. Bon, donc on avait eu un effet trompe-l'œil, on avait vu ce réarmement. La vérité, c'est que l'affaire, depuis le départ, elle est viciée, parce que les Russes ne savent pas pourquoi ils se battent. Et la plupart des Russes, en fait, qui sont sur le terrain, préféreraient être ailleurs, rentrer chez eux, etc. C'est le problème des guerres asymétriques, n'est-ce pas, depuis Napoléon. Jusqu'à la guerre en Irak, enfin des exemples. Les Américains ont quitté le Vietnam, les Russes ont quitté, les Soviétiques ont quitté l'Afghanistan, les Américains. Donc, on a en France pas mal de complotistes. Donc, je leur donne un sujet de dissertation. Mais avant, Régis Le Sollier voulait revenir sur ce qu'on disait avant la pause. J'interrogeais Jean-François Colosimo en lui demandant si l'Ukraine pouvait gagner cette guerre, et m'expliquait en quelques mots qu'en quelque sorte,
sorte, la Russie avait déjà perdu. Est-ce que vous êtes d'accord? Je voulais moi rajouter de ce que j'ai pu entendre en discutant avec la population, en discutant par exemple ce qui est intéressant, qui est resté derrière, quand je dis 60% de la population de Kherson est partie, qui est resté derrière, je vous disais, ces petits vieux. Il y a les petits vieux et il y a aussi des jeunes qui sont restés. Et quand on discute avec eux, on est parmi des pro-russes. On est, puisque les pro-ukrainiens sont partis. Donc la plupart des gens qui sont restés sont dans cet état d'esprit. Et parmi les vieux, il y a l'idée de toucher sa pension alimentaire. Ça paraît idiot, mais l'Ukraine était un pays, et toujours un pays pauvre. C'est un pays aussi extrêmement corrompus. Et dans certaines zones, nous expliquaient des petits vieux, ils ne touchaient plus leur pension, ils étaient... Donc il y avait un énorme ressentiment vis-à-vis du pouvoir central, au-delà des questions Ukraine ou linguistiques Ukraine-Russe, qui sont aussi très pertinentes pour eux. C'est-à-dire que, par exemple, on forçait les Ukrainiens à apprendre, à enseigner à l'école en ukrainien, alors que les gamins dans la classe de récréation parlent russe et dans leur famille parlent russe. Donc il y a eu ce problème, cette problème culturel. Mais au-delà de ça, le problème économique, qui est toujours le problème principal pour les populations, c'était de toucher sa pension alimentaire. Et un certain nombre de petits vieux ont l'impression que la Russie revenant, c'est l'Union soviétique qui revient, avec l'État-providence, avec... Et les Russes jouent énormément là-dessus, ils donnent beaucoup d'aide alimentaire, ils me mettent un point d'honneur à vous dire, tous les produits qui sont amenés en Ukraine aujourd'hui sont des produits qui viennent de toutes de toutes les parties de la Fédération de Russie. Tout ça est un petit peu artificiel, mais au niveau de cette population ancienne, ça marche, ça fonctionne. Et je voudrais rajouter aussi une chose, c'est cette... je suis désolé, on va peut-être pas être d'accord là-dessus, mais très bien, mais c'est sur, fait beau. Voilà, sur la question de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui est absolument omniprésent, et qui est omniprésent bien avant le retour de la Russie dans ces zones. Vous avez un nombre de monuments soviétiques qui ont été conservés de l'époque ukrainienne. Les auditeurs comprennent, vous disiez pendant la pause que Poutine jouait sur le souvenir. Oui, bien sûr, il joue à fond. Et au niveau de ses soldats, c'est pareil. Quand vous discutez avec des Cosaques, moi j'étais avec un régiment de Cosaques dans des tranchées à côté de Zaporijja, ces Cosaques-là, vous leur parlez, vous dites, bon alors, comment ça va se passer? Bientôt il va y avoir l'hiver. Et là, le type vous regarde et vous dit, attendez, nos grands-parents ont fait le front de l'Est, vous croyez que l'hiver nous fait peur? Voilà l'état d'esprit. Non, mais Jean-François Colossi, mais ça, c'est un soldat de base. C'est pas un type de propagande qu'on m'a envoyé. Ça ferait rire si c'était pas dramatique, je veux dire. Ça ferait rire si c'est pas dramatique tellement tout ça est gonflé, c'est de l'idéologie, c'est de la propagande. Qu'est-ce qu'a fait Poutine depuis 25 ans? C'est cultiver le souvenir de la glorieuse Grande Guerre patriotique pour éliminer le souvenir du goulag. Ça, c'est votre analyse. Mais moi, je parle au niveau du peuple et de la façon dont les gens perçoivent ça. Laissez-moi finir. Et c'est prégnant et ça fonctionne. Laissez-moi finir, Jean-François. Et quant aux petits vieux dont vous parlez et aux trois gamins et aux trois Cosaques abrutis, parce que les Cosaques sont les plus abrutis des miliciens, ils sont largement en dessous de Wagner, même en termes d'efficacité. Avec quoi on a affaire? On a affaire, en fait, à des pauvres gars qui annoncent une version idéologique qui ne tient pas debout, enfin, une seconde. Si, je vous ai laissé développer votre point de vue. Moi, je vous apporte des éléments du terrain. Mais moi, vous savez, dans une guerre, on ne parle pas d'idéologie. Non, mais je pense que ce sont des éléments. Là, ce que vous faites, vous faites du BHL, en fait. Vous faites du BHL, c'est-à-dire que vous plaquez une idée que vous avez, qui est certes, recevable, pertinente, sur une réalité que moi j'ai vécue, je vous raconte. Et c'est précisément... Vous n'avez pas fait de sondage, mais vous êtes dans les mêmes endroits. Oui, alors ça n'a aucun intérêt d'aller sur le terrain, c'est ça? Non, mais on sait que ça existe. Mais on sait qu'il y a... On sait qu'il y a à peu près 30 à 40% de Russes qui sont extrêmement bellicistes. Voilà, attendez, et qui approuvent totalement Poutine. Il y en a à peu près 30% en plus qui sont bellicistes, mais qui n'approuvent pas Poutine parce qu'ils pensent qu'il est un mauvais chef de guerre, parce que l'idée commence à faire son chemin. Là, il y a quand même des attaques que je trouve assez... Vous l'avez traité de BHL, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous plaquez une vision
sur la chose. On pourrait vous rétorquer également que du côté ukrainien, où je suis allé en avril, puisque j'ai fait un reportage avec les volontaires français qui allaient accompagner, qui allaient rejoindre l'armée ukrainienne pour combattre. Donc j'ai vu les deux camps, j'ai vu l'état d'esprit des deux côtés. J'ai passé 10 jours en Ukraine et là j'ai d'y passer 3 semaines. La vraie question que je me pose quand je vois ça, c'est de me dire, voilà, aujourd'hui, en fait, ce dont je me rends compte, c'est que dans une guerre comme ça, il y a des gens qui sont motivés pour faire cette guerre, mais les 3/4 des gens, en fait, font avec ce qu'ils ont, font avec une situation qui ne leur a pas été, et ça, ce n'est pas, voilà, ils font avec les moyens du bord. Quand on parle de Kherson aujourd'hui en disant, on déporte les gens de Kherson, non, on déporte pas des gens qui sont majoritairement pro-russes et qui, en majorité, soutiennent cette invasion. Je ne me base pas sur une posture morale ou sur quelque chose qui m'aurait été donné a priori. Je vais voir ces gens. Je suis journaliste. Okay, ça fait 25 ans que je fais ça. J'ai quand même un petit peu de choses pour me dire s'il y a une seule personne ou si c'est les Russes. Vous avez vu ce que vous avez vu. Je pense que ça n'apporte pas grand chose à la réalité de la situation. Laissez BHL en dehors de ça. Cela dit, BHL, il va sur le terrain. Oui, il va sur le terrain. Il écoute ce que lui dit l'état-major ukrainien. Voilà. Moi, j'aurais pu très bien faire ça. Écouter ce que me disait le type de l'administration nommé par Moscou. Vous savez, il y a toujours avec les Russes le syndrome Tintin au pays des Soviets. C'est-à-dire que vous arrivez, vous dites, s'il me montre ça, est-ce que finalement, vous savez, c'est les Occidentaux que Hergé montrait, et devant, il y avait l'usine qui ne fonctionnait pas, mais il y avait des types derrière qui montraient la fumée de l'usine. Eh bien, moi, je me pose toujours cette question à chaque fois, de me dire, pourquoi on me montre ça, et qu'est-ce que je peux trouver quand je vais en Iran et qu'on veut me montrer quelque chose, parce que je suis également allé en Iran. J'essaye d'aller, évidemment, parler aux femmes, j'essaye d'aller au cœur du pays, j'essaie d'apprendre quelque chose sur le terrain. D'ailleurs, c'est un drame. Ils ont souvent, quand vous discutez avec eux, de la famille de l'autre côté. Vous savez, c'est ça qui est terrible, dont on ne se rend pas compte. Jean-François, on a l'impression que... Tout le monde qui suit ça, c'est ça, cher Régis, le sommier. Donc, je veux dire, bien sûr, c'est entremêlé tout ça. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que pendant 35 ans, pendant toute une génération, les Ukrainiens ne voudront plus entendre parler des Russes. Poutine, jusque-là, se débrouillait plutôt pas mal par rapport à ses véritables moyens. Je vous rappelle que le PIB de la Russie, c'est celui de l'Espagne, n'est-ce pas ? Bon, donc, sur l'échiquier international, il marquait des points. Il marquait même des points disproportionnés par rapport à sa valeur réelle. N'est-ce pas ? En Géorgie, en Crimée, en Transnistrie avant, en Syrie, en Libye, il nous foutait dehors du Mali. Il agitait le Burkina Faso encore il y a 3 semaines, etc. Il marquait des points disproportionnés parce qu'il était fort de nos faiblesses. C'était ça le véritable problème. Mais en même temps, dans un monde multipolaire, nous avions intérêt à essayer de voir comment nous pouvions faire pour que la société russe progresse. Alors, il marquait des points sur l'échiquier international qui faisait qu'on était dans un monde effectivement multipolaire. N'est-ce pas ? C'était ça le point. Simple, c'est que si on pouvait envisager modérément quelle contribution indirecte il avait à l'état du monde, aujourd'hui, ça n'est pas possible, n'est-ce pas ? Et ça n'est pas possible parce que il y a quand même des victimes. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites que c'est une guerre de religion. Je reviens il y a 1000 ans pour expliquer pourquoi la ligne de fracture entre l'Est et l'Ouest de l'Europe traverse l'Ukraine, cette ligne de fracture qui sépare les Slaves, parce que les Slaves ont été l'enjeu de l'évangélisation entre les Carolingiens et les Byzantins. Donc, d'un côté, vous avez des Polonais et des Croates qui sont catholiques avec l'alphabet latin, et puis de l'autre, vous avez des Biélorusses et des Serbes qui sont orthodoxes avec l'alphabet cyrillique. Cette ligne-là, elle traverse l'Ukraine parce qu'il y a un ouest catholique de l'Ukraine et un est orthodoxe de l'Ukraine, et que l'Ukraine a véritablement été l'enjeu de tous les empires chrétiens, plus l'Empire ottoman, mais tous les empires chrétiens, orthodoxes, catholiques, protestants au fil des siècles, la guerre de Crimée, 1850, n'est-ce pas ? Bon, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite revue de presse.
à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce, abonnez-vous. Allez, à très bientôt, au revoir.